Et bonjour à tous, bienvenue dans ce 304e épisode de notre Let's Play Station Heroes de saison 5, toujours sur Vulcain, et aujourd'hui les silos vont être remis aux normes. C'est parti. Sauf que là j'ai branché l'eau. Mais il va bien falloir à un moment donné. Là, j'ai rebranché l'eau. Ah zut, Westank, c'est plus embêtant. Mais ça va. Qu'est-ce qu'il faut pour te démonter, toi? Une wrench. Ça tombe bien, il m'en faut une aussi pour démonter ça. Ça, ok. Ok. Ça, c'est silo tampon. Yep. Je sais pas viser, moi. Voilà. Ok, et du coup là ça sera le silo réagent.
juste que toi tu sois vide. Ce qui implique que toi tu sois allumé. Non, tu remplis pas. Ok, on va se vider. On va vérifier ça, qui doit pas être content. Quoi ? Il y a là il y a le recycleur qu'il faut remettre sur le recycleur. Centrifuge qu'il faut mettre sur centrifuge également. Là c'est mieux. Ouais, j'ai encore un problème puisqu'il m'a pas envoyé mon plomb. LED c'est avant. LED. Et Iron c'était là. Oui. Est-ce que je pense savoir d'où ça vient? Il ne me l'est pas envoyé. Je pense savoir d'où ça vient. Parce que là, il me l'envoie toujours pas. Ouais. C'est ces petits-là. Que j'ai pas hésité. Et du coup, je vais prendre 400 de plomb à la main. Là, il faut 400. Hein. Fasse la même quantité. Et on va se déclencher la fonte en manuel. Un peu bête, on perd les gaz qu'il y avait dans le plomb, mais ma foi. Et LED, c'est 500 solder, pardon. 350 à 550.
minimum 1 mégapascal. Donc on va juste l'attendre. En espérant pas crever à cause du Westink. Mais la nuit ça va. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Eh, il y avait du noce, ok. Dans le plomb, il y a du noce. Bête. Eh oui. Théoriquement, il faudra juste que je rajoute 399 de chaque et il se finirait. Il se ferait tout seul. Théoriquement. Parce que là, ça va être long. Donc, copper, gold, iron. Lead. Là, ça va être mieux. Non, j'aurais pas dû mettre celui-là. Il va popper en dehors à côté, c'est pas grave. Quand on en est, c'est pas grave. Elle est encore 200. Ça va le faire, ça va passer tout seul. Ça va passer tout seul. Vas-y, passe tout seul. Voilà.
quoi du coup? Tu m'avais pas fait n'importe quoi? C'est bizarre. Quoi du coup t'as 0? Si voilà, t'avais fait n'importe quoi. Ah. Et là, n'importe lequel, on s'en fiche, voilà. Hop. Toi. Non. Bah dedans, là. Voilà. Bon, on va se vider ce... On part sur quoi maintenant? Constante. Ah bien. On va se vider ce West Tank parce que sinon je sens que ça va me faire West Tank Critical. Je vais vraiment partir en fumée. Oui, tout à l'heure ça brûlait un peu parce qu'il y a du NOS qui était recraché dans l'atmosphère. C'est normal, c'est prévu pour. C'est totalement prévu pour. Donc, il me reste le silo de réagent. Un wrench. Voilà, maintenant c'est un Galvinder. Sens, dans le bon ordre. Jetpack, low. Non, pas encore. C'est bon, je suis déjà tombé tout à l'heure à cause du jetpack, low. Je vais pas tomber à chaque fois. Comment je les ai appelés, les autres silos? C'était juste... Oui, SDB silo, et puis j'ai mis le nom. Donc... SDB silo réagent. Toi, bah, toi tu peux dumper. Ce qui fait que là, je vais pouvoir de nouveau. Alors, je peux larguer ça déjà que je trimballe depuis je sais pas combien de temps. Et non, pas toi. Toi. Voilà. Impec. Et là, on a du constantan. Combien on va en avoir? 2 kilos. Ok, t'es en train de faire... le cuivre. Ouais, tu vas avoir 1 kg de cuivre. Et le nickel, tu vas avoir encore... ...300... ...600... A priori, ça sera nickel. Tu m'auras produit le constantan. Ah. Du coup, est-ce qu'il me restait des...
c'est bon. Lui, il va bien. Oui, alors, pourquoi est-ce que ma fonte précédente, elle a déconné? C'est parce que comme j'avais eu un micmac, fait n'importe quoi, il y avait encore... ils attendaient encore les... Le routage attendait encore des choses à envoyer. Donc, ils les ont envoyées. C'était... J'avais pas hésité ça, donc c'était pas bon. Là, je me demandais ce que c'était. Oui. C'est les réagents. Tout va bien. Peut-être virer ça. Ça pourrait être plus propre. J'aurais dû commencer par faire ça. Ah. Quoi, encore? Je l'ai rempli il n'y a pas 5 minutes le jetpack. Bon, j'ai passé beaucoup de temps en l'air, mais quand même. On a baissé mon stockage de jetpack ou quoi? Bah non. Ah. Ok. En parallèle, tiens, ma clim, elle en est où? Moins 82. Toi, t'es active. Parce que ça y est, c'est passé actif. Tout simplement. Oui, ça peut expliquer. La température baisse. Toi, tu réinjectes. Est-ce que tu tiens pas la pression? Parce que là, il y a une trop forte pression, du coup, lui doit en sortir plus que lui d'en faire rentrer.
Ça risque de toujours être le cas. Bon, maintenant, moins 80, ça va. Ok. Ça, c'est fait. Bah, j'ai vérifié pile au bon moment. Qu'est-ce que tu dois faire, Constantin ? 1 kilo Kelvin et 20 mégapascal. Je vois le montage de clim que t'as fait sur le serveur, je vais être fou. Mais non, je serais pas fou. Je sais que vous, tu... J'ai vu les prémices, alors. Bah, tu l'avais mis sur le Discord, d'ailleurs, ce que t'avais fait. Qui consommait que 10 kW. Là, il y a un truc qui m'échappe. Régler à quelle pression? Bugué toi aussi. Vingt-huit clim, ça va? Vingt-huit clim, c'est très bien. Ah. Bon, alors histoire de changer les idées, je me suis dit que 11 kilowatts, oui, c'est ce que tu avais mis sur le Discord, c'est bien celle-là. Histoire de changer les idées, je m'étais dit que ce soir, finalement, j'allais faire un peu de déco ici. Parce que c'est moche. Donc. J'ai fait un silo, oui j'ai lancé un silo tout à l'heure mais finalement j'en ai pas besoin parce que j'ai récupéré l'autre. Ah. Alors on va faire des géométriques déjà. Bien. Est-ce que je fais 4?
Ouais, je vais faire par bloc de 4. Donc 16 géométriques, faisant 20. Le reste, ça va être du flat flat. Non, ça va être du flat two ton. J'en avais des géométriques. Il est flat que j'ai pas. Si, j'en ai 150 là. Mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir regardé, merci pour vos commentaires et vos pouces bleus qui font toujours plaisir. Et on se retrouve très vite pour la suite. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao !